Bonjour BD! Savais-tu que, depuis le début de l'année scolaire, on te regarde? Ouais, ouais! Les enseignants puis les membres du personnel, on t'observe! On te remarque, toi, qui fais toujours tout de bien. Toi, qui as les valeurs de l'école à cœur. Toi, qui fais preuve de fierté, d'excellence et de respect. Et depuis le début de l'année scolaire, les enseignants et les membres du personnel mentionnent le nom des élèves qui remarquent qu'ils font toujours tout de bien. À tous les mercredis du mois de février, une direction viendra annoncer quels élèves de la 7e à la 12e année ont été le plus mentionnés. On commence ce mercredi avec notre valeur de fierté. On a hâte de te mettre à l'honneur pour te dire merci d'être toi. Oups, micro. Bonjour tout le monde et quelle belle intro. Nous, notre direction, serons avec vous dans quelques minutes pour vous donner plus de détails. Mais avant, voici quelques annonces. C'est la politique ou le journaliste politique t'intéresse. Inscris-toi au cirque politique de la FESPO. C'est l'endroit parfait pour vivre des ateliers pour bien comprendre la politique provinciale. Eh bien, c'est gratuit. Toutes les infos sont dans le courriel des annonces. Ben oui, quel enthousiasme, Aymeric. J'aime bien ça. Et si tu aimerais apprendre comment composer un texte humoristique ou même apprendre à faire du stand-up, les formations et le concours LOL, c'est pour toi. Communique avec Mme Jacinthe pour les informations. Et c'est la joie aujourd'hui d'accueillir nos membres à la direction. Sans plus tarder, bonjour! Bonjour tout le monde! Bon matin, comme on dit! Alors, on vous revoit encore aujourd'hui pour vous donner certaines informations concernant les nouveautés ABD, telles que les casiers, les endroits pour dîner, mais aussi avec la belle vidéo qui a été présentée tout à l'heure sur nos valeurs. J'invite tout de suite M. Parenteau à vous parler de la valeur, de la fierté et des critères d'évaluation que nous avons choisis pour justement nominer des personnes. M. Parenteau, à toi la parole. Parfait. Donc, j'ai la fierté de présenter la première valeur, la fierté. Donc, les critères recherchés pour pouvoir être reconnus au niveau de cette valeur-là, c'est je parle en français. Je parle en bien des autres, de l'équipe école et de mon école. Je participe activement en classe et aux activités. J'organise mon horaire afin de remettre un travail de qualité selon les échéanciers. Maintenant, j'inviterai Mme Holfer à parler de la valeur de l'excellence. Donc, pour la valeur de l'excellence, on cherche un élève qui arrive à l'heure et prêt à travailler. Quelqu'un qui encourage les autres et qui aide les autres collègues autour d'eux, qui ose prendre des risques et qui se fixe des objectifs envers son plein potentiel, qui reste calme et qui pense avant d'agir, quelqu'un qui a de l'empathie et qui offre de l'aide et qui a une attitude positive. Alors moi, je vais présenter les critères recherchés pour le respect. Alors, on cherche un candidat, candidate qui est consciente de son espace personnel, celui des autres, qui garde son environnement propre, qui fait preuve de politesse envers ses pairs et les membres de l'équipe d'école, qui utilise un langage approprié à tout temps, qui respecte les règles de l'activité ou de l'endroit où il se trouve et, dernièrement, qui démontre de la reconnaissance envers les autres. Maintenant, si on peut revenir à la diapo 3, donc c'est Maestro Jacinthe qui s'occupe de ça. Donc, la diapo 3, tu l'avais, c'était avec les dates, Madame Jacinthe. Excellent, c'est celle-ci. Donc, ce mercredi, M. Parenteau, vous allez nous dire qui sera les heureux élus par année. Donc, on va choisir un élève en 7, un élève en 8, en 9, 10, 11, 12, donc 6 élèves qui vont s'être mérités le prix de notre valeur de la fierté. Le 16 février, ce sera Mme Sarah Holfer qui pourra nous donner les gagnants, les 6 gagnants du prix de l'excellence et le 23 février, les 6 gagnants du prix du respect. Donc, je dois vous dire que nous avons reçu
énormément de candidatures. Puis que vraiment, c'est difficile de faire un choix parce que les candidatures que nous avons reçues sont tous excellentes de part et d'autre. Donc, sur ce, vous souhaite la plus grande des chances, mais c'est sûr et certain qu'on continue toujours à t'observer. Maintenant, si on peut s'en aller à la diapo 7, s'il vous plaît. C'est sur les casiers. Avant de donner la parole à Madame Perrault, tu vas voir que au niveau des casiers, on est chanceux. Tous les élèves de BD vont avoir accès à un casier, sans exception. Au courant de la semaine, chaque niveau, un après l'autre, aura accès à ses casiers. Ce ne sont pas tous les niveaux qui vont y avoir accès en même temps. Donc, on va vous avertir le matin, les casiers de la 12e année sont prêts, etc. Là, vous allez pouvoir naturellement apporter votre cadenas à combinaison pour aller installer vos choses dans votre casier. Là, je suis certaine que tu te poses la question, « Oui, mais quel casier je vais avoir? » Sur ton horaire, au courant de la semaine, ce sera bel et bien indiqué dans le coin supérieur droit. Va voir sur le portail élève. Sur ton horaire, tu vas avoir le numéro de ton casier d'indiqué au coin supérieur droit. Donc, ça, c'est en haut de ta feuille, à droite. OK? Madame Perrault, je vous laisse la parole pour expliquer les règles des casiers. Et puis, Monsieur Parenteau, vous pourrez aussi peut-être donner les petites dernières informations aussi pour nos élèves en 7 et 8. Puis, par la suite, les élèves 7-8 pourront quitter la présentation. Alors, je vais laisser la parole à M. Parenteau. Ensuite, je vais prendre la parole. Parfait. Donc, pour les élèves de la 7e et la 8e année, demain, je serai en salle de classe pour vous donner toutes les attentes et le fonctionnement au sujet de l'utilisation des casiers. Donc, vous aurez plus de détails à ce moment-là lors de ma présentation. Alors, comme on a dit la semaine dernière, un petit rappel que vous aurez juste accès à vos casiers le matin. Alors, vous prenez vos cartables pour les deux premiers cours. Vous avez le droit au midi, au dîner, vous cherchez votre dîner, et à la fin de la journée. Alors, il faut faire attention de respecter les rassemblements auprès des casiers. Alors, c'est sûr qu'on va toujours vous le répéter, vous le savez. Pour l'instant, s'il vous plaît, trouvez un cadenas, achetez un cadenas à combinaison. Pas des cadenas trop déduites ou trop avancées de Bluetooth. Ça, c'est pas recommandé. S'il vous plaît, les petits trucs, c'est un cartable par deux cours, si vous pouvez, pour avoir que ce soit moins lourd dans votre sac pour les deux premiers cours. Et à la fin de la journée, vous prenez les choses et vous quittez au plus vite possible. Alors, pour l'instant, moi, je cède la parole à Mme Olfer pour la cafétéria. Est-ce que les 7 et 8, ils peuvent quitter? Je pense que c'est la fin pour vous. Bonne journée. Parce que la cafétéria s'adresse qu'au 9-12. Donc, la semaine dernière, ça s'est super bien déroulé au niveau de la cafétéria. Vous avez respecté les règlements, c'était excellent. On vous encourage de continuer à l'utiliser et de se comporter de la même façon. J'aimerais par contre faire un petit rappel des critères qu'on utilise pour déterminer qui aura accès à la cafétéria le vendredi. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est trois critères. Donc on cherche la propreté dans les salles de classe et à la cafétéria. Donc surtout dès le début de cette semaine où vous allez avoir un petit nouveau déroulement pour les salles de classe, on va vraiment regarder qu'on ramasse nos choses, qu'on ramasse nos déchets, on les met dans les salles dans la poubelle, désolé, puis qu'on lave nos surfaces. Le deuxième critère, c'est la circulation dans les corridors. Donc étant donné que vous avez accès à des salles de classe pour le dîner, il ne devrait pas avoir de circulation dans les corridors, vous devrez être assis dans une classe quelconque. Et le troisième, c'est le respect au niveau des mesures sanitaires. Donc, le port du masque si on a terminé de manger. Puis, là, on ne mange pas, disons, si on va à la cafétéria, on ne mange pas dans le corridor avant d'être à l'intérieur de la salle de classe. Donc, ce sont les trois critères qu'on regarde. Donc, Madame Olfer, est-ce que vous me permettez d'ajouter quelque chose? Oui. Donc, vous l'avez bien mentionné, c'est quand tu as terminé de manger, tu remets ton masque.
S'il te reste du jus à boire ou ta bouteille d'eau, tu dois mettre ton masque pareil et c'est quand tu prends une gorgée que là, tu peux enlever ton masque, mais tu dois remettre ton masque quand même entre chacune de tes gorgées, s'il te plaît. Merci. Donc, pour le nouveau déroulement cette semaine, auparavant, vous dînez dans votre cours du troisième bloc. Maintenant, on va cibler des classes par niveau où vous devez aller dîner. Donc, on ne dîne plus dans la salle de classe du troisième bloc. Si on peut changer la diapo, s'il vous plaît, on va vous nommer. Ben, je ne vais pas les nommer, mais ils sont indiqués ici. Donc, les neuvièmes, vous allez être au premier étage, les dixièmes au deuxième et les onze, douze, vous êtes au troisième étage. Donc, vous pouvez dîner dans n'importe quel de ces locaux ici qui sont attitrés à votre niveau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous mélanger entre amis, entre classes, tant et si longtemps que c'est dans la même cohorte. On va demander aux enseignants aussi que si vous n'êtes pas dans ces locaux ici, avant de quitter pour le dîner, s'il vous plaît, fermez la porte et verrouillez la porte pour que les élèves n'ont plus accès aux autres locaux. Donc, j'aimerais préciser que s'il n'y a plus de chaises ou il n'y a plus de pupitres disponibles, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans cette classe-là. Donc, assurez-vous de... Donc, c'est parce que on ne veut pas avoir des élèves assis sur les pupitres, assis partout en petits gras. Deuxièmement, tu t'assois au pupitre. Donc, tu ne déplaces pas les chaises pour faire un petit cercle dans le coin de la classe. Tu t'assois vraiment au pupitre selon les distanciations du pupitre comme tel. Donc, tu peux t'asseoir à côté des pupitres. Donc, si vous êtes cinq et il y a juste quatre chaises, c'est parce qu'il faut que tu trouves un autre local. Donc, vous pouvez quand même aller dehors, vous pouvez quand même aller à la cafétéria quand c'est votre journée de cafétéria. Puis on ne vous demande pas de vraiment vérifier. Là, on a fait des pancartes qui ressemblent à ça, là, 9e, 10e, il y en a pour chacun. Ils vont être sur la porte près du numéro de locaux pour vous indiquer que c'est une classe où vous pouvez dîner. Encore, je reviens, c'est important, étant donné que ce n'est pas nécessairement la classe dans laquelle tu vas être au troisième bloc, de bien mettre tes déchets aux poubelles et de laver ta surface avant de quitter. Donc, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit, à moins que j'ai manqué quelque chose. Mais ça, c'est le nouveau fonctionnement dès aujourd'hui. Parfait. Merci. Alors, moi, je vais finir avec le stationnement. Alors, le stationnement, c'est un défi, surtout durant la saison hivernale. Alors, je répète, ceux qui n'ont pas de passe de stationnement, puis ils se permettent de stationner quand même dans le stationnement de l'école, auront dorénavant cette semaine un billet de convention ou un avertissement de l'école et on prend le droit aussi de prendre une photo de votre voiture pour garder aussi trace de ceux qui ne suivent pas les règlements. Alors, on a eu beaucoup de frustration ce passé. Vous savez qu'il y a de la neige qui revient encore. Alors, il faut vraiment s'assurer de stationner comme il faut. Respecter, on sait qu'on ne voit pas les lignes. Mais c'est très frustrant quand il y a des gens qui prennent deux stationnements pour stationner. Alors, ça s'adresse aux 11, 12e année, des gens qui se permettent de stationner même sans passe. Alors, les passes sont seulement réservées aux 12e année. J'ai attitré certains laissez-passer, certains, il y a juste un montant d'espace dans le stationnement. Alors, s'il vous plaît, soyez respectueux. Ceux qui sont mal pris, puis il n'y a plus de place, allez à l'Ossobies. Vous pouvez stationner à l'Ossobies, c'est mieux que sur la rue. Ceux qui ne respectent pas les règlements, alors, ils n'ont pas de passe. Et c'est à chaque jour, on voit votre voiture assez souvent. Vous allez, on va appeler la ville d'Ottawa et vous allez avoir une contravention. Au pire, ce sera un remorquage. Alors, et ceux qui ne respectent pas la façon, la conduite, ils coupent les gens ou ça continue, ils vont perdre leur passe aussi, ceux qui sont détiennent une passe également. Alors, je fais un petit rappel, faire attention, c'est frustrant pour tout le monde. Les enseignants doivent s'assonner aussi. Alors, merci pour tout, pour le respect. Merci, Mme Perrault. Les élèves, on te fait confiance, on se fie à ton bon jugement par rapport à ça. Et puis, si tu as des questions, ben viens nous voir. On est dans les corridors, tu nous accroches, tu nous poses ta question ou tu viens nous voir directement au bureau, tu demandes un rendez-vous. Et c'est aussi simple que cela. Alors, sur ce, on te souhaite une merveilleuse journée, une bonne semaine. Il annonce une belle semaine, très douce en température. Donc, amuse-toi bien, profite du bon temps dehors. Salut!
Ben, merci pour ça. Et merci à vous d'être avec nous. Et moi, je vous souhaite le genre de semaine où tu peux t'asseoir à la CAP ce vendredi. Donc, go les 12. Les 10, oh! 10! 10. Ben, tu sais, les 12, vous manquez un peu de support. Fait que moi, je vais vous supporter. Go les 12, vous êtes capables. Deux fois encore. Nous, en 7e année, en 8e, on est encore pris dans nos classes. Je vous dis, je vais faire un petit passage de poésie. Moi, je vous souhaite le bon champagne, hein, parce qu'on sait que c'est lundi, c'est difficile. Puis le mauvais champagne, c'est quand ça te pogne, okay, là. Bonne semaine, okay, tout le monde. Merci beaucoup. Désolé.